Voilà, bienvenue à chacun et chacune aujourd'hui pour ce temps particulier. Nous avons cette année décidé de solenniser un peu plus profondément cette deuxième date associée à Saint-Michel, le printemps, la fête du printemps de Saint-Michel, 8 mai, et la fête de l'automne qui est le 29 septembre. Il y a d'autres dates éventuelles encore, en tout cas ces deux grandes dates sont un peu comme des axes importants, voilà, pour nous dans notre vénération de la Divine Trinité à travers Saint-Michel. Donc joie de vous accueillir dans ce moment béni, en lien bien sûr avec Claude, Père Patrick, Nicole, donc, voilà, nous venant de l'Aveyron, ou même de Provence, hein, donc nos amis fidèles qui sont là en lien avec notre communauté aussi ici. On a la joie également d'accueillir le Père Koumeran, qui est un prêtre catholique romain, qui est sud-africain, hein, donc il ne parle pas le français, d'origine, qui a beaucoup aussi été en Inde, la montagne sacrée d'Amunachala. Donc, il est venu en retraite pendant quelques jours. Il fait des retraites d'enseignement en France là, pendant un certain temps. Donc, on a la grâce de l'accueillir. Welcome to you, Father Koumeran. Donc, il vit en communauté normalement à Johannesburg, donc en Afrique du Sud, normalement durant l'année. Donc, il est avec nous pendant jusqu'à mercredi. Voilà. Et donc, voilà, vous rappelez que cette danse liturgique est un moment béni. Vraiment, je vous propose, plus que jamais, en étant petit nombre ce matin, et ce bien de pouvoir nous laisser informer par la présence de l'archange Michel, ce grand archange ici qui est déposé, et de manière assez étonnante, très simple en termes de synchronicité, cet archange est apparu la nuit du 8 mai, il y a maintenant 15 ans maintenant, sans que Vadim du tout ne sache que le 8 mai était associé à la fête de Saint-Michel. Le grand archange est apparu sur les murs avec les peintures à 8 mai aussi. Hein. Donc c'était assez étonnant pour nous en termes de synchronicité. Voilà, donc belle liturgie, nous puissions communier ensemble, nous préparer, voilà, pour nous préparer à recevoir ce don d'amour infini qui est le don du Christ qui vient se donner à nous. Merci d'être là. Merci d'être là. Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisibilité, éternelle, immortelle, qui nous a sauvés, à elle honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Alléluia.
remplit tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie vos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton Thank you.
Paroles ont été entendues et c'est un coup.
Pour entrer et goûter
un moment de libération, de délivrance, dans la présence de l'archange Michel. Que s'est-il passé au mont Gargano, le 8 mai 490 ? Il reste l'histoire, peut-être enluminée, embellie, modifiée, en tout cas, les événements sont très simples. Un riche seigneur fait paître son troupeau, nombreux troupeaux, et du cœur de ce troupeau s'extrait un taureau, particulièrement agressif, indompté. Pendant plusieurs jours, les propriétaires de ce noble propriétaire cherchent le taureau et le trouvent au sommet de la montagne, près d'une grotte. Deux versions s'entrechoquent. Première version, le taureau est devant la grotte, les cornes pris au piège dans des lianes. Il cherche à se débattre, il n'y arrive pas, et de plus en plus agressif, en fait, il devient indomptable, inapprochable. Autre version, le taureau est entré dans la grotte, et les propriétaires veulent le déloger, mais devant la force agressive de cet animal, il capitule. Ils vont trouver une démarche, une solution, qui est de tirer une flèche sur le taureau, pour le tuer ou pour l'interpeller. Et chose absolument inouïe, la flèche, une fois qu'elle a été lancée, rejoint sur le propriétaire qui l'avait projeté et le blesse. Et devant ce mystère incompréhensible, il descend rencontrer l'évêque Laurent de Siponto. Et devant cette incompréhension, l'évêque propose de faire silence, de jeûner, de prier, de se vider de toute forme d'émotion et d'écouter ce que le Seigneur a à dire. Et là, au bout du troisième jour, cet évêque a une révélation, une apparition de l'archange Michel qui désormais lui signifie que la grotte est en ses mains. Il est devenu le propriétaire de la grotte, il a fait installer ses hiérarchies en ligne de la grotte. Et l'évêque Laurent monte du coup en procession pour vérifier, ou en tout cas pour venir constater ce changement de climat. Et effectivement, il entend, en s'approchant de la grotte, des chants angéliques. Ici, Dieu est adoré. Ici, le Très-Haut est honoré. Ici, le Seigneur est glorifié. Et devant ce chant des anges, bouleversé, il redescend. C'est cette fresque, ici à droite de l'église, ou en tout cas à ma gauche, qui désigne et qui récapitule tout ce que je viens de vous rappeler sur cette histoire telle qu'elle se transmet de génération en génération au mont Gargano. Il y aura deux autres apparitions au mont Gargano, mais celle, la première apparition est particulièrement importante. Importante aussi parce que elle nous montre en peu de mots toute la quintessence de notre chemin psycho-spirituel, non seulement de manière personnelle, mais également dans le collectif de l'humanité. C'est pour ça qu'il est très parlant, cet événement. Cherchons à l'intérioriser en ouvrant les portes de notre cœur et entrons dans l'expérience qui nous est rappelée. Chacun plus ou moins sait ou connaît le taureau fou, indompté et indomptable qu'il habite. Ce taureau pris au piège, qui veut absolument en sortir et qui est de plus en plus irritable, de plus en plus puissant. Chacun sait aussi, sans doute, cette grotte intime où ces forces de l'ombre sont à l'œuvre et elles nous rendent esclaves. On en a peur. Elles nous rongent, elles nous détruisent. Ce taureau, symbole de force, symbole de puissance, indomptée, insoumise, inapprivoisée, ça peut être des forces de désespoir, de destruction en soi, des forces de toute-puissance, des forces de colère, de rébellion qui nous emportent sans arrêt.
ces forces de toute puissance, ces forces de luxure qui nous emportent, qui nous submergent par moments, de tristesse insondable, de désespoir. Chacun sait le taureau qui l'anime, qui le maltraite à l'intérieur. Et la tentation serait comme ses propriétaires de vouloir le déloger tout seul, en tirant la flèche. Et cette image est très intéressante. Regardez combien chaque fois qu'on essaie d'aborder ce taureau fou, cette énergie inaccomplie, indomptable, tellement forte, qui nous fonde, qui nous habite, qui nous dévore, parce que c'est prise en main par des forces diaboliques, souvent, comment la flèche retombe contre nous, et comment on se mutile, on s'agresse, soi-même et l'autre. Quelle violence! On se sabote, on se culpabilise, parfois à juste titre, ou parfois pas à juste titre. Comment on se fait violence face à ces forces-là? Et l'événement nous propose une autre issue. Plutôt que de s'arc-bouter de manière obsessionnelle, à tout prix à faire disparaître ou tuer ce qui nous dévore, ce qui nous déchire, prendre du recul, rejoindre le lieu du gardien, de l'évêque intérieur, de celui qui veille, du médecin des corps et des âmes. Et qu'est-ce que nous propose ce lieu-là? Jeûne et prie. Fais silence. Il est temps que tu laisses le Seigneur agir. Retire-toi de toi-même. Tu ne fais que rajouter du mal au mal à travers les perspectives égocentriques toutes puissantes de maîtrise et de contrôle. Laisse faire. Laisse te défaire et le Seigneur. Confie cet abcès de l'âme à son œuvre, au travail de l'épée, qui va venir dénouer en toi ces nœuds qui emprisonnent cette puissance indomptée, pour transformer ces forces égotiques, cet amour propre qui a tellement de mal à se donner, en amour de l'autre, en amour inconditionnel. Laisse faire le silence. Jeûne. Jeûne de nourriture, jeûne de pensée, jeûne d'émotion. Écoute. Écoute l'œuvre de Dieu en toi. Ouvre-toi. Offre-toi à cette œuvre. Et là, dans cette bonne volonté, dans cette porte ouverte, tu vas venir à un moment donné entendre et découvrir que ce lieu qui était le lieu de toutes les violences qui t'habitaient devient le lieu du sanctuaire où l'ange peut à nouveau chanter. Passer du corps de plainte au corps de louange. Ce lieu le plus intime, minéral, de la grotte intérieure, tous ces lieux abcédés de ton âme, tous ces favelas intérieurs, si tu les ouvres à la grâce et à l'amour de ton Seigneur, tout sera possible. Et c'est du lieu même de la plus grande blessure que va se révéler les plus beaux chants, la plus belle perle que tu pourras offrir au monde. Oui, ce sanctuaire, ce Dieu, ce lieu devient ce lieu où la gloire, où la vie vit, où l'amour peut aimer dans la grande délivrance de la matière. L'œuvre de l'archange Michael, du grand archange, de tous les anges, de ces accoucheurs qui nous invitent à passer de la mort à la vie, de l'état d'esclavage où nous faisons l'objet des autres et de nous-mêmes et de ces forces à la dimension d'être à nouveau sujet, être présent, debout, libre, libéré, délivré grâce à l'œuvre de l'ange, du grand accoucheur et à travers eux de l'intercesseur, du Saint-Esprit, de la divine Trinité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour venir nous rejoindre là où nous sommes, dans ces lieux d'esclavage profond, et pour nous ramener là où il est. Il est parti à la recherche de chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes chacun et chacune une brebis perdue.
comme ce petit oiseau qui régulièrement frappe à la fenêtre de la voûte de l'église, le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur. Ouvre-toi, laisse-moi faire, laisse-moi te défaire, pour que tu puisses enfin entrer dans la vraie prière, au-delà des mots MOTS, au-delà de tous les mots MAX, dans ce lieu du grand silence, de l'agenouillement intérieur, signe de la délivrance, de la libération, jour après jour, espace après espace, dans tous nos arbres généalogiques, au service de la grande délivrance du monde. Il y a tellement de grottes et de taureaux fous aujourd'hui libérés au cœur du monde, des grottes de toute puissance, de volonté propre, de luxure, de violence, de pouvoir. Ça commence par chacun d'entre nous. C'est le grand travail qui nous est demandé. En marche, fils et filles du Père, tellement honorés dans ce chemin d'humilité en marche, dans la grâce de l'Esprit-Saint, que Saint-Michel vienne travailler, nous fait travailler dans nos cœurs, dans nos corps, pour l'avènement de cette humanité nouvelle et dans la résurrection de l'être divin du Je suis, qui aime et qui vit. Soyez bénis, sœurs et frères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joao, et pour ceux qui
partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sera des sœurs Bardines, prions le Seigneur. Yeah.
en ce temps pascal, nous célébrons la victoire de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort, il a vaincu la mort et nous ouvre les portes de la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés, sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il nous communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint est en soi et la vertu est toujours au monde. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, c'est pour vous. Que le Saint Amour, Maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse, sœurs et frères en Christ. Thank you.
Thank you.
Christ est ressuscité, mes frères et sœurs, à travers la télé. Mais en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec vous aussi. Élevons nos cœurs. Oh.
Dieu très clément, et que descende sur nous, sur nos familles, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint Esprit. Tout saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nos pieds anges et le royaume céleste de nos pieds anges. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde, augmente la paix et la bienvenue en surabondance, qu'il confère la sagesse à nous tous qui sommes sans raison et servent de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes alourdies et la douceur aux âmes errantes, qui nous fasse participer par la communion à ce Saint-Autel, à l'ensemble de tous les saints dans le royaume céleste, à tant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père puissant et au même fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convienne tout honneur, de gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, on va s'approcher maintenant du banquet du ressuscité tous ensemble. Que nous puissions, en route vers ce haut lieu, ouvrir encore et encore plus profondément ces lieux du cœur, ces grottes inaccessibles où siège parfois encore le taureau indompté, indomptable, et laisser le pardon divin rejoindre ces lieux-là. Pardon, Seigneur, je me suis trompé, j'ai trompé, j'ai été trompé. Pardon. Et qu'à travers l'intime serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos ratages, nous délivre, nous guérisse, nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, venez communier en paix, comme nous ne sommes pas très nombreux ce matin, je propose qu'on communie tous ensemble. On va creuser, on va proposer ce trône, et on va donc mettre un arc de cercle là assez large. Qu'on communie tous ensemble. On va donc recevoir les parcelles du corps et du sang. Et on va attendre que tout le monde ait reçu les parcelles pour la recevoir. Et ça, tu n'es pas baptisé, mais viens si tu veux quand même. Je te mettrai le calice dessus. D'accord ? Sur la tête. Voilà, donc tous les baptisés, sinon, on va faire ce cercle maintenant.
Que Dieu
offrir un temps de, voilà, d'offrande en lien avec notre tropère à Saint-Michel, hein, qu'on va chanter 3 fois ou 4 fois, voilà, en fonction du mouvement de Anastasia, comme une offrande pour clôturer ce pèlerinage autour de, voilà, autour de, du petit groupe là, du Père Patrick, Nicole, Béatrice, Jeanne, Thérèse, Martine et Anastasia, donc, hein, c'est ça, et avec Béatrice, Jeanne, hein, Père Patrick et Nicole. Oh, vous pouvez venir avec le père.